Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais plus l'habitude de faire ça. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Oui, ça fait plus de 10 jours que je n'ai pas vlogué. J'ai vlogué, c'était le jour des soldes. Où on allait à Dijon. Là on est le... Je ne sais pas, on est le 19 janvier. Je crois. J'en ai arrivé, je suis... Ouais, on doit être le 19. Aujourd'hui on est samedi et j'avais envie de vlogger comme ça parce que y a pas, je vais rester à la maison mais il y a pas mal de choses à, j'avais pas mal de choses à vous montrer, à vous, j'avais envie de refaire un vlog tout simplement. Là je viens de recevoir une petite commande Sephora et mon dieu, je suis en amour. Je vais pas vous montrer là, je vais juste vous dire que il y a une palette Natasha Denona et la collection de Chloé et Malika avec Pékin. Mais je vais faire un haul parce que clairement, je sais pas, j'avais envie de faire un mini haul. Ça fait un moment que j'en ai pas fait de haul make-up, il me semble. Donc j'avais envie et c'est vrai que ce mois-ci j'ai fait d'énormes trouvailles. Autant du make-up, franchement, j'ai fait des grosses découvertes et voilà, j'ai hâte de tout tester. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, je vais tester ça, je pense ce soir, parce que ce soir, je suis chez ma soeur, on fait une pierrade avec des frites, donc j'ai hâte, parce que j'aime bien la pierrade, mais pas trop souvent. Et voilà, ça permet d'être en famille. Donc voilà. Là, j'attends. Je pense que. Je me fais un masque pour le visage. Parce que là, j'ai une peau. Vous voyez, surtout là, en fait. J'ai un. En fait, je pense que c'est le masque de ma machine qui me fait aussi mal. Je suis rouge, j'ai limite une croûte. Donc j'espère que je pourrai me maquiller ce soir. Sinon, tant pis, je me maquillerai pas. Mais ça me. Ça me fait horriblement mal et j'ai pas envie de l'enlever ou quoi parce que ça va me tuer. En plus j'ai le nez qui coule, c'est horrible. J'ai les cheveux, faut que je me lave les cheveux. Je pense que je vais me les laver sans tour. Parce que là c'est déjà 10h48 et ma mère n'est toujours pas là. Donc je pense que voilà, c'est un peu perdu d'avance. Je vais manger un bout, enfin. Quoique non, c'est trop tard, donc je vais attendre midi de manger vraiment un repas. D'ailleurs, j'ai découvert hier, je suis hyper contente. Ça fait un petit moment que je vous parle d'un petit bar. Enfin, je sais pas comment expliquer, où ils font des gaufres de Liège. En ce moment, c'est ma vie. À chaque fois que je vais à Carrefour, j'en prends une, voire deux. La dernière fois, j'en ai pris deux. Une pour ma mère, une pour moi. Donc ça fait même ça. C'est un peu les deux, donc c'est pas donné, mais elles sont bonnes. Et là hier en fait, en faisant une course à Aldi, parce que mon père il adore Aldi, j'ai découvert des gaufres. Donc je disais avant de me dire, j'ai découvert des gaufres. C'est bien aimé, ça a été cher. C'est la marque Tante Odile, c'est les gaufres sucrées et ça a le même goût que les gaufres que j'achète dans cette fameuse épicerie blanche, je sais pas comment expliquer. Comme ça je les réchauffe moi et aussi je mets ça, c'est une nouvelle pâte à tartiner, c'est une pâte à tartiner aux noisettes et mon dieu elle est, c'est mon obsession franchement. C'est mon obsession, je suis pratiquement à la moitié, donc je voudrais peut-être que je me calme. Et elle est trop bon, ça a le goût de Nutella. En fait, j'avais vu ça sur la chaîne de Cindy Ch'ti et je me suis dit, ouais, bon. Et je l'ai vu, j'ai dit, je la prends. Ça ne s'est pas donné non plus. Oh. C'est pas de. Oh putain, il a dégelé. Oh, il va me faire vomir. Ouais. Pardon. Il a vomi sur le canapé. Il me saoule. Oui, t'as vomi, hein.
Putain, faut vraiment. Oh, il a fallu pas vomir. Bref, du coup, j'ai goûté. Et franchement, le combo des deux, c'est une grosse tuerie. Donc voilà. Je vais peut-être me préparer un minimum. Enfin, un minimum, je vais pas me mater, hein. Ça sert à rien. Mais je vais genre m'apprêter mon coiffer un minimum. Et me mettre genre un haut pour qu'on voit. Par contre, je suis en pyjama parce que j'ai déjà fait une vidéo en pyjama. Je stop quoi. Je vais filmer le petit haul tant qu'il y a un poil de lumière. Donc s'il a l'air de pas faire si beau que ça. Donc je vais vous laisser. Je vais un peu filmer ça. Ça le dernier, je vais le garder parce que il y a quelques jours de ça, j'ai rangé tous mes tiroirs et mes chaussettes. J'ai des paires par milliers et j'ai pas envie de les donner ou quoi. Quoi que j'en ai donné pas mal, mais alors ça déborde, c'est un truc de ouf. Donc je pense que je vais en mettre dedans. Je vais dire à ma mère qu'elle me la. Si on coupe le carton. Parce que ça va me servir. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Faut déjà de filmer ma vidéo haul. Oh, il y en a partout, faut que je range, mais j'en ai plus tard. Là, je ne sais même pas quelle heure elle est. C'est 11h39, donc je vais aller manger et je vais aller tout de suite à la sieste. Je me sens pas très bien aujourd'hui, je pense que c'est, je sais pas, c'est une ranienne qui arrive, je ne sais pas. Mais j'ai très mal au ventre, donc j'espère que ça va passer parce que faut que je sois en forme ce soir. Donc voilà, je vais aller manger. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais manger parce que en ce moment, j'ai pas très faim. En plus, mes mal d'estomac, ça revient, ça m'énerve. Parce qu'il faut savoir que j'étais sous traitement, ça faisait 15 jours hier, enfin 14, et en fait, j'ai plus de traitement, donc voilà quoi. Mais du coup, j'ai remal à l'estomac depuis hier, donc par intermittence, mais là, comme là, je commence à remal à l'estomac, et en fait, j'ai eu le même truc hier, je me dis, oh, j'ai peut-être faim, donc j'ai mangé, et au final, j'ai mangé, et ça n'a pas passé, donc ça me saoule. Honnêtement, donc voilà, mon médecin m'avait dit que si j'avais encore mal à l'estomac, c'était peut-être que j'avais un truc, genre une infection ou quoi, tu vois, enfin peut-être que je fasse un examen, donc on verra, mais c'est vrai que ces problèmes d'estomac, ça me saoule parce que hier, j'étais en plein magasin et ça me coupait le souffle. Donc c'est assez chiant, donc je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Bref. Je vais vous laisser, je vais essayer de ranger un minimum. J'aimerais bien prendre une photo pour Instagram. Je pense que je vais le faire maintenant, tant qu'il y a la lumière plus ou moins potable. Donc voilà, bref, je vous laisse. Dans la salle de bain, je vais faire un masque ou deux pour le visage. Je vais déjà faire un gommage. Je pense que je vais réutiliser celui-là. C'est le Saint-Yves à l'abricot, il est pas mal écheux. Voilà. En masque, vraiment, je vais me mettre le. Celui-là, c'est le L'Oréal, là, bleu. Et après, je referai le masque à la rose de Fresh parce qu'il est tellement bien. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je vous montre. Parce que j'essaie de faire le plus de masques possible. Parce que, voilà, en ce moment, ma peau, elle va bien. Mais mon préféré que j'aime bien, c'est le Glam Glow. Celui-là, il est tellement bien. Mais je l'utilise qu'une fois par semaine. Parce qu'il est tellement bien. J'ai la peau nickel après. C'est le purifiant. Et en fait, je suis pratiquement à la moitié, mais il est tellement bien. Et après, je fais le celui à la rose. Et c'est un combo juste parfait. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais faire mon gommage déjà. Et après, je mettrai le masque. Enfin, mes masques. Et après, j'irai à la douche pour me laver les cheveux parce que là, c'est plus possible. Donc voilà, je l'ai mis. Je ressemble littéralement. Alors je trouve, mais il fait tellement de. Il est tellement bien que je me fous en fait. Donc je le laisse à peu près 10 minutes. Je ne mets pas spécialement de temps.
J'attends juste qu'il sèche et après je l'enlève. J'ai littéralement une peau plus ou moins bien. Franchement, pour un masque de grande surface, il est vraiment bien. De toute façon, les masques à L'Oréal, comme ça, ils sont vraiment cool. Ils sont plutôt efficaces, donc c'est bien. Donc voilà. Et après, je verrai si j'ai le temps ou pas. Sinon, tant pis, je ferai pas le masque à la rose. Mais au pire, ouais, je mettrai 5 minutes au lieu de 10 minutes. Mais c'est vrai que j'aime bien ce masque. Et en général, il me décape pas trop la peau. Et j'en ai mis un peu là. Enfin, je me mets de la crème là parce que j'ai un bobo. C'est horrible. Donc voilà, je vais attendre un peu qu'il sèche. Non. Lavée, habillée, donc je suis limite prête. Honnêtement, j'en ai discuté avec ma mère au niveau de mon nez, parce que j'ai un bobo avec une croûte, etc. Je pense que je vais éviter de me maquiller aujourd'hui. Je vais mettre un maximum de ma crème là. C'est la CK Fat. Et en fait, si je vois que lundi ça va pas mieux, j'irai voir en pharmacie s'il n'y a pas autre chose. Parce que c'est vrai que là ça me fait vraiment mal. Donc je vais mettre un peu de crème là tout de suite. Et je m'en mettrai une grosse couche ce soir en me couchant parce que c'est vrai que ça me fait énormément mal. Et je me vois pas mettre du fond de teint, etc. par-dessus. Déjà c'est bien rouge, j'ai pas envie que ça empire. Donc je pense que ça va être no make-up. Je pense que je vais juste mettre du mascara et du rouge à lèvres. Ça me fera du bien. Donc je vais montrer ma tenue en même temps pendant que j'y suis et pendant que j'ai de la batterie. Mais je pense que de toute façon là je vais pas recharger mon téléphone. Je vais juste enlever ma batterie que j'ai achetée je l'ai achetée dans la semaine parce que voilà, ma mère devait me rembourser des trucs. Et du coup je lui ai dit bah redonne-moi les sous comme ça. Quand tu me redonneras les sous, je vais m'acheter une batterie externe parce que c'est vrai que des fois pendant des soirées, etc. Je me retrouve souvent en cours de batterie et je me dis, zut, s'il y avait une batterie, etc., ça me ferait bien. Et surtout que je l'ai dans mon téléphone. Du coup, voilà. Donc je vais montrer ma tenue, elle est très simple. Par contre, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre en chaussures, je vais bien voir. Je pense que soit je vais mettre mes bottines, soit mes pieds là. Donc voilà ma tenue. Bon, je suis pieds nus. Faut que je mette mes pantoufles qui sont je ne sais où. Donc mon pull, c'est le seul pull de mes soldes. C'est Jennifer, je les aime trop ces pulls. C'est limite si je veux pas en racheter, enfin totalement folle. La salopette, je crois qu'elle vient de... Moi c'est par Primark. Parce que j'en ai trois. Et je crois que c'est solde. Celle-là, je crois qu'elle vient de chez Primark de cet été. Et donc quoi, ça m'empêche pas de la mettre en hiver. Je mets un collant et voilà, ça va très bien. Et du coup, je pense que je vais mettre un collier. Je sais pas en fait, ou des boucles d'oreilles. Mais vu que les cheveux lâchés, je sais pas, il faudrait que je mette un collier. Donc voilà, pour ma tenue, elle est très simple. J'ai voulu faire simple et confortable.
parce qu'on va pas mal manger, donc froid. Comme ça, j'ai un peu de place. Et du coup, mes cheveux, c'est là que je vois que mes cheveux sont méga longs. Genre, bah, là, quoi. Donc, c'est bien, mais j'aimerais qu'ils poussent encore plus vite, quoi. Mais je suis contente de mes cheveux. Franchement, quand il y a la dé qui me dit, si je crois que tu vas faire du blond, je me dis, mais jamais, parce qu'en fait, mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux et aussi doux, etc. Depuis, toujours, je suis redevenue brune. Alors, peut-être que je refais des petites mèches, etc. Peut-être cet été, mais vraiment pas du blond platine, je le referai plus. Ça se trouve, je vais changer d'avis. Mais en fait, j'ai tellement des cheveux beaux et qui ont poussé que j'ai pas envie de changer ça. J'aime trop mes cheveux quand ils sont en bonne santé. Et voilà. Après, en ce moment, j'ai pas une super routine. De toute façon, je vous en reparlerai d'ici un ou deux mois. Parce que là, je suis en train de tester. Ça fait deux fois que je teste, donc on verra bien. Mais c'est pas la meilleure routine, hein, franchement, honnêtement. Je suis désolée de vous parler trop, mais vu que ça fait un moment que j'ai pas vlogué, je crois que je l'ai même pas dit sur Insta ou quoi, mais mon appareil photo blanc il est reparti en réparation parce qu'en fait, c'est quand j'ai filmé mon haul, enfin mon haul solde, je sais plus. En fait, je voulais le remettre. Non, c'est pour ma vidéo où je trie mes palettes. Non, où je trie mes rouges à lèvres, je crois. En fait, je l'avais mis, je voulais le remettre sur le trépied, en fait. Et en fait, je croyais qu'il était accroché, sauf que non. Et en fait, il est tombé de très haut. Donc, je pense que c'est l'objectif qui a morflé. Parce que limite, il est de tout travers l'espèce de truc là, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a le... Pour faire la mise au point, c'était tout enlevé, enfin, la galère. Donc j'espère que je vais rien payer ou quoi, parce que c'est vraiment pas le moment, quoi. Et ça fait juste la troisième fois, quoi. Franchement, cet appareil photo, il est top niveau qualité vidéo et ça, alors, niveau... niveau, comment ça s'appelle? Niveau... comment ça s'appelle? Quand il tombe et ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, honnêtement. Donc ça me saoule un peu, enfin, voilà, je sais que je suis maladroite, mais quand même, quoi, je vais tomber beaucoup mon téléphone, et, enfin, il tient, quoi, je ne sais pas, bref, je vais vous laisser, je pense que je vais faire un petit live sur Instagram, tranquillou, ou regarder des vidéos, ou les deux, je ne sais pas, faut que je monte la vidéo haul, d'ailleurs, parce que, comme ça, je vais tout importer, je vais essayer de commencer le montage, mais, non, je me dis non. Non, faut pas que je commence le montage. Parce que je crois que Hutch, quand je suis pas là, il monte sur l'ordi ou je sais pas. Mais la dernière fois, je suis revenue, j'étais éteint. Ou alors, des fois, il a tout fait bugger. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait quand je suis pas là. Mais, enfin, à croire qu'il veut aller sur Internet, quoi. Mais en termes de qualité, là Anastasia est quand même bien bien au-dessus, hein, je vais pas vous mentir. Celle de Make Up Revolution est très bien, mais si on compare, ils sont plus crémeux chez Anastasia. Et ben, on va où les songeurs ? N'empêche, hein, toute la semaine là. C'est bon, je vous retrouve. Il est 23h14. Je viens tout juste de me mettre en pyjama, enfin en haut de. Enfin, je sais pas. Je vais le mettre pour dormir là, si je le garde en pyjama ou si je le mets en t-shirt basique. Parce que j'aime en tout cas, en général, j'aime bien mettre des t-shirts en pyjama, on verra. Là, il paraît noir, mais en vrai, il est violet. En fait, ma nièce ne voulait pas et du coup, ma soeur me l'a donné. Donc, moi, je prends, hein, ce qu'on me donne, je prends. On est rentré, j'ai pas filmé. Franchement, j'ai pensé plus filmer ça au final. J'ai absolument rien. Filmé. Pourtant, on a mangé pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai un bit et voilà quoi. Je pense que demain, je ne vais pas manger. Donc, je pense que je vais continuer le blog. Là, je vais mettre ma télé au montage. Je vais à la dernière épisode de Gossip Girl et après, je vais me coucher. Parce que clairement, voilà quoi. Et je pense que demain matin, on va aller voir à Besson parce que j'ai envie de boot, genre un peu. Comme Doc Martens, la marque très bien connue, sauf que ça coûte 200 euros.
Non, merci, donc j'aimerais bien aller voir si on a, mais genre sans marque quoi. J'en voudrais des blanches parce que j'ai vu ça sur Carole Sevilla. J'ai eu un énorme coup de cœur, j'aime trop. Donc, bref, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé, que je vous retrouve après plus de 10 jours sans vlog. Je pense que j'ai à vlogger dans la semaine, je verrai selon mon programme. Parce que j'ai pas de programme fixe parce que je suis en pause de ciné, donc je suis hyper contente. Je suis en pause jusqu'au 30, donc c'est cool, génial, on adore. On verra si... parce que je vais prendre un rendez-vous chez la coiffeuse. Enfin, parce que clairement mes cheveux c'est n'importe quoi, enfin quoi que là ça va. C'est coiffé donc ça va. Mais alors dès que c'est... voilà, d'ici demain après-demain, mes cheveux n'ira plus. C'est... Là, ils sont bien, ils sont lissés. Mais franchement, mes cheveux, j'en peux plus, ma couleur. Non, ouais, quoi. Bref, je vais vous laisser, n'hésitez pas, si vous voulez, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Voilà. En tout cas, très bonne soirée. J'ai même trop mangé, donc voilà. Bref, bisous. Ciao.